Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Je voulais faire cette vidéo, elle est vraiment spéciale. Dans la nuit d'hier, j'ai eu un songe. C'était aux environs de 3 heures du matin, je me suis réveillée. Je n'ai pas souvent l'habitude de me réveiller à cette heure-là. Je me suis réveillée aux environs de 3 heures. Je suis allée aux toilettes, je suis rentrée et puis j'ai dit que non, je vais d'abord prier. J'ai prié et je suis allée me coucher. Lorsque je me suis couchée, j'ai vu un songe. Dans le songe, j'étais quelque part comme si c'était une réunion, une rencontre. Et puis la réunion s'est achevée, nous nous sommes séparés. Juste pour moi, le temps de sortir de la salle là où j'étais. Dès que j'arrive dehors, je vois l'atmosphère a complètement changé. Et tout était stop. Le monde entier a commencé à regarder vers le ciel. Parce qu'il y avait les activités angéliques qui se passaient dans le ciel. C'est inexplicable. Je ne peux pas expliquer exactement ce que j'ai vu. Mais je voyais des anges, des mouvements, des éclairs. Le monde, je dis bien, le monde entier était stop. Tout le monde avait les yeux fixés vers le ciel. Que ce soit ceux qui étaient même dans la maison. Regardez vers le ciel. Même les petits bébés à la main, à la mamelle, avaient les regards fixés vers le ciel. C'était, je ne sais pas comment exprimer, c'était une activité intense. Les gens étaient, personne ne pouvait parler. Il y avait un silence total dans le monde entier. Et j'ai vu deux catégories de personnes. Il y avait une catégorie de personnes qui étaient prêtes. Ils étaient comme des soldats au garde-vous, prêts. C'est comme s'ils sont prêts pour l'enlèvement. Et moi-même, j'étais au garde-vous. J'étais excitée. Oh Seigneur, est-ce qu'on part déjà? Est-ce qu'on part déjà? Are we going? Are we going? Et il y avait une autre catégorie de personnes qui avaient tellement peur, la panique. Et je lisais dans le cœur, je lisais l'esprit des gens, je lisais les pensées des gens. Ces gens qui avaient peur se disaient que, oh, peut-être cette affaire que les chrétiens parlent toujours là, que Jésus revient, peut-être c'est Jésus qui est revenu. C'était la panique. Ils avaient peur, ils tremblaient. Pendant que les autres, que je crois être des croyants, attendaient, avaient hâte pour être enlevés. Je crois que ça a duré une seule minute. Je vous dis, ce n'était pas long. Mais le monde entier était statu quo, stop sur place. Et après, tout est revenu à la normale. Et ceux qui étaient prêts pour l'enlèvement, c'est comme si c'est un message que le Seigneur leur donnait que Jésus revient bientôt. Allez annoncer cette nouvelle plus que par le passé, parce que les gens ne croient pas que Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, quand je me suis réveillée moi-même dans mon esprit et j'ai dit, et les gens disent que Jésus ne revient pas, qu'est-ce que les gens croient? Une seule minute, Dieu parvient à mobiliser, à arrêter le monde entier. Une seule minute. Et les gens croient que Jésus ne revient pas. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, soyons
conscients. Apprêtons-nous, parce que d'un moment à l'autre, nous allons partir. Et annonçons cette bonne nouvelle. Réveillons ceux qui dorment. Que Jésus revient bientôt. Et toi, mon frère, qui ne crois pas, qui croit que ce sont des histoires qu'on raconte, j'ai vu et je crois fermement, selon ce qui est écrit, que Jésus revient bientôt. Ne prends pas ce message à la légère. S'il te plaît, arrange ta vie. Parce que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Ça sera pour le bien de certains et pour le malheur des autres. Et je ne souhaite pas que quiconque suit cette vidéo soit classé parmi ceux qui seront déçus. Non, mon désir ardent, c'est que tous ceux qui vont suivre cette vidéo soient parmi les élus. Parce que c'est l'ultime bonheur que nous attendons. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée à vous.